Well, je viens de finir mes qualifs. C'est. On est samedi, c'est la compétition manufacture. C'est une course. Je viens de faire les qualifs. C'est une course de. Au Nürburgring. Fait que c'est trois tours. C'est une gestion de pneus puis une gestion d'essence qui va être l'enjeu ici. Puis de pas faire d'erreur parce que c'est ça le plus tough en fait. Là, il y a un gars qui m'a aidé pendant mon tour de qualif. Il s'est tassé pour moi. Il est plus là. Ah oui, il est là. Non, pas lui. Je le remercie parce qu'il s'est tassé, j'y ai flashé lumière, puis il s'est tassé, puis j'étais content parce que grâce à lui, j'ai pu faire un bon tour. Fait que je suis qualifié troisième. Troisième, ça veut rien dire, ça veut juste dire que je suis en avant pour partir, mais après ça, faut que je gère ma course le mieux que je peux parce que c'est une piste qui est très très difficile à dépasser. Parce que tu peux pas faire d'erreur nulle part. Oh. Ouais. Fait que c'est ça, c'est une piste que je peux pas faire d'erreur. Puis quand je suis derrière quelqu'un, c'est très très difficile de le dépasser parce que la piste est pas large. Puis les endroits pour dépasser sont très touchés parce que juste avant, il y a un freinage assez serré. Puis tu veux pas accrocher celui qui est en avant parce que si tu l'accroches, t'as une pénalité, tu le sors, puis tout ça. Fait que c'est pas, c'est vraiment pas facile à dealer. Puis j'ai fait la course tantôt, puis j'ai manqué d'essence. Fait que là, faut que je m'organise pour vraiment pas manquer d'essence. Fait qu'il faut que j'économise encore plus. Ce qui est vraiment hallucinant, c'est que j'économisais presque au maximum mon essence. Puis quand tu économises, ben tu te fais rattraper par tout le monde. Tu veux pas être en arrière du monde, mais en même temps, en tout cas, ça va être bien, bien difficile à gérer. Je pense que mon départ va être sans économie d'essence. Après ça, je vais économiser le plus possible. Si je peux être dans l'aspiration de quelqu'un, ça serait bien cool. Ça me permettrait d'économiser un peu. C'est lui, le gars qui m'a aidé. Là. Ben, pas qui m'a aidé, mais qui m'a laissé passer sur mon tour. J'ai fait le 13e temps. C'est pas pire quand même. Les écarts sont très, très grands d'une position à l'autre parce que le circuit est très long. Moi, j'ai, je pense, 5 secondes de différence avec le premier, ou 5 ou 8, je ne me rappelle pas. Fait que c'est vraiment pas évident. Traction control, balance, front. Je vais mettre ça à gear. Donc, comme ça. Mon fuel. On va mettre ça de même. OK, c'est parti! C'est même pas moi qui l'a poussé, c'est ça qui est con. C'est vraiment con. Je me suis fait rentrer dedans. En plus, je suis sûr que c'est Misery Machine. Les cochons, ils jouent pas bien.
bon, 2 secondes m'a coûté cher, mais... Non. Calisse. Hey, ça va pas bien. Ça va pas bien. Là, je risque de perdre du pointage au niveau de mon gentleman driver. Là. Je sais pas comment t'appelles ça. Ouais, moi j'économise mon essence, fait que le monde me dépasse peut-être parce qu'ils n'économisent pas leur gaz. Ça fait que je suis dans leurs jambes pas mal, tu sais. C'est poche parce que la seconde que je dois prendre en pénalité, ça va être juste au début de la longue ligne droite. Donc, je vais perdre beaucoup. Mais je la mérite, là. J'ai fait un esti de niaiser. Je laisse rouler mon auto le plus possible sur son élan et économiser l'essence le plus possible. J'ai 3 tours à faire, fait que... je peux faire 2,4 tours présentement. Vite, là. Je perds beaucoup de temps à cause de mon économie. Je pense que je vais le laisser passer. Qui pensait que je m'en allais. C'est vraiment top de dépasser. Là. Actuellement, dans ces virages-là, je vais chercher bien du monde parce que je
soit assez foulé. Là. Faut que j'économise encore plus parce que j'ai deux tours à faire. J'ai pas fini celui-là. Come on! En plus, il sortait. Ah non, il n'est pas sorti. Ça, tu sais où ce qu'il va, lui. Il est un peu peur, hein? Les erreurs sont bien coûteuses.
Fait que les 3 secondes de pénalité là, que j'ai eu, si je suis 11e, c'est à cause de ça, mais en même temps, ça dépend de la stratégie de tout le monde. Si j'avais moins économisé. J'ai laissé de la place, mais. Le problème, c'est que je ralentis pour le laisser passer, puis lui il ralentit parce qu'il ne veut pas me toucher. Fait que on est tous les deux à se ralentir. Thank you.
y a des gens qui arrêtent, là, qui étaient sur les médiums. Fait que moi, j'arrête pas. Fait suivre de proche là, pour pas qu'ils déconcentrent. Les autres sont toutes là, sortent toutes des puits avec des pneus neufs. Je pense que c'est la meilleure solution là. Pour moi et pour eux autres. Là. Il m'a poussé, si je le laisse passer, tabarnak. Tout en arrière de moi. Mais
là, je peux ouvrir la machine. Je peux pas mettre plus de gaz. Mais... Oh! Il fallait les toucher. Le... la barrière, là. J'avance plus vite, c'est bon, c'est... Oh non, il est sorti! J'espère que j'aurai pas une pénalité parce que c'est sorti. Là-dessus, là. Wow, que ça a été rushant. Moins 70 litres. Moins d'un litre. Non, moins d'un tour. Je sais pas si c'était le bon pari à faire de ne pas faire d'arrêt parce que j'ai vraiment l'impression que ceux qui sont en avant de moi, ils ont fait un arrêt. Là. Tiens, je pense. Ah, ça, c'est vraiment top de laisser passer quelqu'un, là. Pas le dépasser en allant à l'autre bout. Il y a pas de place. Ah! Oh! Aïe aïe! J'espère que j'aurai pas de pénalité là-dessus. Ben, ça tient. C'est mieux que tantôt. Tantôt, j'ai fini 17e. Je me suis fait pousser par quelqu'un. J'étais 4e. Ça allait bien. Là. Mais là, le problème, c'est mon ranking, mon niveau de gentillesse comme pilotage. Là. Mon S va devenir rouge probablement. Puis c'est qu'il est proche de descendre à B ou à A. Là, je me rappelle plus. C'est toujours à S d'habitude.
Mais là, ça fait deux courses que je fais, puis ça fait deux courses que j'ai des pénalités de ce genre-là, où je pousse personne, mais je me fais pousser, puis c'est moi qui ai des pénalités. Là, curieusement, je me rappelle pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans cette course-là. Aïe, aïe, aïe. Vraiment tough. Septième, c'est bon. Un top 10, là, je suis super content. Fastest driver for Aston Martin. Ben, c'est pas pire. 85 points. Yes! Je suis content. Hey, septième, 85 points. Je suis très content. Très cool. Ça a été tough, mais j'ai réussi. Là, on va aller voir si mon... Non! Tu vois, il y en a un qui est, rouge. The Boss PE, là, le 12e. Son S, il est rouge. Le mien, il est encore bleu, fait que je suis correct, là. Speed. Ça, c'est bon. Puis, ouais. C'est tout, hein. Oh, je suis pas le plus vite canadien. OK, bye! Non, je suis content. C'est un bon pointage pour le championnat manufacture. Mon meilleur, c'était 89. Fait que là, je tombe... C'est comme mon deuxième meilleur résultat cette saison. Puis c'était un 85, fait que c'est très bon. C'est pas ce que je voudrais, mais c'est bon. Je suis super content. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pas eu de pénalité, tu sais? Ouais. Je suis pas mal content. Premier, 50 ans et plus, puis premier à Longueuil. C'est très cool. Puis ça, c'est au niveau manufacturier. Je suis 171e. Puis au régional, ça veut dire en Amérique du Nord, chez Aston Martin, je suis 1495e. C'est ça. Pas mal ça. Fait que c'est tout. Fait que bonne fin de soirée. OK, bye bye.